Eh bien, salut Chill, salut les abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu, donc je crois qu'il est sorti il y a une semaine, Super Peuple, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas Peuple, je sais pas très bien le dire. Donc, c'est quoi Super Peuple? C'est un Battle Royale qui réunit à peu près tout ce que vous avez pu voir sur tous les Battle Royale actuellement. Donc, c'est des super soldats, chacun a une capacité, vous pourrez créer des armes, faire une multitude de choses, et chaque perso a sa propre, son propre pouvoir, ulti si vous préférez. Il y en a un, gère le nucléaire, donc c'est assez simple. J'aurais aimé pouvoir vous faire un dictaciel pour mieux vous présenter le jeu parce que je n'ai aucune partie actuellement, je fais juste le dictaciel et je suis sur clavier souris et je suis ultra nul clavier souris, on ne peut pas brancher la manette hélas. Et du coup en fait en gros il y en a une, c'est la frappe nucléaire, c'est sa capacité, c'est une guerrière qui gère le nucléaire et en gros quand vous avez l'outil chargé, si vous avez plusieurs personnes dans un immeuble, ça envoie une grosse frappe nucléaire sur l'immeuble en fait, ça fait une énorme explosion, tous les mecs dedans meurent à coup sûr, ils ne peuvent pas survivre à ça. Il y a d'autres personnes, ils peuvent se téléporter, il y a un sniper, il y a tout ça. Donc vous verrez, il y a une multitude de choses, comme celle à l'armerie par exemple, voilà. Ça c'est les armes que vous pouvez crafter, donc à fabriquer, comme vous pouvez voir là, il y a marqué 6 fabriquer. Donc ça c'est l'AKM que vous pouvez fabriquer, avec des trucs que vous récupérez aléatoire sur la carte. Vous pouvez aussi avoir des armes que vous trouverez de base, donc ça c'est du meilleur au moins bon, voilà, donc la KM comme ça, la KM héroïque, la KM rare, voilà, et après vous avez les armes, voilà. Chaque arme en quelque sorte a sa mythique, a sa légendaire, a son héroïque, donc voilà, vous avez quand même une multitude d'armes, comme vous pouvez voir ici, voilà, il y a quand même beaucoup d'armes. Je tiens à dire, parce que beaucoup demanderont probablement, est-ce que le jeu sera porté sur console? Actuellement, non, le jeu n'est pas prévu sur PlayStation 5 ou Xbox. Pour l'instant, c'est une exclusivité PC et normalement, il devrait rester une exclusivité PC, même si le jeu en ce moment est carton. Il n'ira pas sur un autre support. Beaucoup de gens avaient commencé à dire qu'il serait sur PlayStation, Xbox, Switch, même Switch, mais hélas, non. Le jeu que vous pouvez voir est assez joli, vous aurez le choix de modifier votre personnage. Donc là voilà, par exemple, voilà, vous aurez le choix de modifier votre personnage. Je trouve plutôt bien fait. Alors côté fille, je trouve super bien fait. Elle, je la trouve, elle est trop belle. C'est vraiment, je la trouve trop belle. Elle est vraiment trop belle. C'est super bien fait. Il y a une multitude de trucs, mais moi j'ai pris l'homme, vous connaissez. La coupe à la PUBG, classico. Voilà, donc là vous avez les apparences. Donc vous pouvez débloquer des parachutes, c'est cela. Et là en fait, vous avez une multitude de tenues. Donc moi je me suis mis celle-ci. Vous avez toutes sortes de tenues, hein, regardez. Voilà, très, vous avez multitude de choses intéressantes, vous verrez c'est plus sombre ou quoi, vous avez les hauts, c'est pareil, multitude de hauts, vous avez des bas, voilà, toutes sortes de bas, et des gants aussi, vous en avez toutes sortes, que vous pourrez débloquer au fur et à mesure, les chaussures c'est pareil, les casquettes, vous pouvez vraiment personnaliser votre bonhomme à votre souhait, du moins avec ce qui prépare, regardez, je vais mettre un masque, voilà, des trucs comme ça, moi je mets pas parce que je m'en branle, et voilà, quand vous avez les packs de guerre. Donc voilà, c'est pour ça, ça m'a. Je sais pas s'il n'y a pas un peu de PUBG dans l'histoire parce que cet argent là, c'est en fait penser à ça. Là aussi, vous avez des super capsules. Les super capsules, c'est ce qui vous conférera d'augmenter vos pouvoirs. Donc il y a des capsules rares, des machins, voilà. Vous pouvez acheter de l'équipement ici aussi, voilà, des sweats, des trucs, des accessoires. Au niveau de la saison, donc ben, voilà. Moi j'ai jamais joué, donc je vais me faire démonter. Les gars, je suis très mauvais clavier souris, donc c'est pas clair. On va partir sur. Sur du tout simplement du attendez, je vous montre un peu plus, voilà, donc vous avez solo, duo, squad, vous avez DPS, donc vue troisième personne, quand vous visez vous êtes en FPS, vous pouvez tout simplement avoir que full FPS, voilà, que le mode de jeu FPS, on va jouer comme ça histoire que vous voyez un petit peu les décors, tout ça d'abord, voilà, on part en squad parce que je vais être très mauvais. Je sais pas combien de temps ça met à peu près à trouver une partie, je n'ai jamais joué là, ça va être ma première game. Alors la vidéo sera peut-être un petit peu longue parce que voilà, je vais avoir des choses à apprendre, moi qui joue plus jamais de la vie souris. Et en même temps j'aurais peut-être oublié quelques petits trucs voilà, qui me reviendra à l'esprit. J'aurais vraiment aimé pouvoir refaire un dictatiel, mais là c'est pas possible, ça c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de dictatiel qu'on puisse faire à nos souhaits. Hélas. Mais le jeu est plutôt sympa, alors là je suis en moyen. Au niveau des graphismes, j'ai tout en moyen les gars. Voilà, j'ai absolument tout en moyen et c'est loin d'être crade. Vraiment très loin d'être crade. Au niveau des modifications, des paramètres de commande, voilà, vous avez, voilà, vous voyez, pour moi c'est du. Voilà, pour moi tout ça c'est du chinois les gars. La tête de la mer c'est du chinois pour moi, donc je vais me faire défoncer. Voilà, il y a énormément de choses.
pourrait faire, voilà, gameplay comme je vous disais, ridicule, plein, pour pas mettre le jeu, voilà. Voilà, vous avez, voilà, vous avez plein de choses, même hein, graphisme c'est où c'est là. Voilà, pour vous dire, hein, regardez, champ moyen partout. Voilà, champ moyen partout, profondeur de champ. Non, on va pas faire, on va pas se toucher. Voilà. Bon, ça lance la partie. Allez, on va voir un petit peu. Comment on ouvre le parachute? Comment on décroche le parachute? Oh merde, ça va être la merde ça. Ouf, je vais me faire démonter moi. Et vous allez voir que le jeu est plutôt sympa. Autoriser l'accès, il est con ce truc. Donc là pour l'instant hein, c'est une bêta, accès anticipé sur Steam, donc vous pouvez si vous le souhaitez y accéder à la demande des développeurs. Voilà, alors moi j'ai eu accès, donc je vois pas pourquoi vous aurez pas accès. Voilà, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un vétéran spécialisé dans l'infiltration. Ouais, vous voyez, il s'infiltre. Voilà, vous avez plusieurs capacités, plusieurs trucs. Je sais pas du tout ce qu'on prend. Est-ce que c'est lui que je prends? J'en sais rien. Là, on court. Regardez, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse du tout. Il me semble que V, c'est pour changer, voilà, passer en vue FPS. Voilà. Regardez, c'est pas dégueulasse du tout. Hein. Bon, franchement, pour du truc comme ça, on va mettre 3ème personne pour vous. Ça vous changera un petit peu. Là on peut changer les classes, voilà, moi j'ai pris la classe apparemment du mec là. Moi je m'en bats les couilles, c'est juste histoire de jouer, en tous les cas je sais que je vais me faire éclater. Il y a pas mal de petites maisons à la carte, je la connais absolument pas. Bon, pas du tout. Et voilà, équipe 17, survivant 56. Voilà, donc il y a quand même pas mal de survivants. Voilà, on peut mettre des patates de forain. On peut se coucher c'est comment déjà? Parce que, ouais voilà, donc là c'est, je me mets à genoux, me coucher, non c'est pas ça, c'est quel bouton? Oh là là. Voilà, on peut se pencher quand on vise, hein. Voilà, c'est ce touche là. Voilà, moi c'est ça. J'ai paramétré mes touches, faut vraiment que je m'habitue. Hein. Excusez-moi, vous me verrez souvent regarder le clavier parce que moi, j'ai absolument pas trop habitude. Oh, patate de fond. Hein. C'est quelle touche ça? Ça sert à rien. Peut-être dû mettre celle-là, ça va être plus fun. Ça fait un sacré boucan. D'être pas mal. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Oui, apparemment oui, le mec il traversait l'eau, donc je pense qu'on peut aller là-bas au fond en tous les cas. Voilà. La partie va bientôt commencer. Je veux pas ça moi par exemple, je voulais pas le vétéran, je sais pas, fermé mon pote. Donc le perso que tu veux, mais à la foutre frérot, je veux juste faire une game en fait pour les abonnés. Donc apparemment le jeu c'est un assez gros succès, il a l'air vraiment pas mal les potos, vraiment. Donc et là ça, je ferai de mon mieux pour essayer de faire une chouette partie les potos, hein. Vous savez que moi avec les souris hein, c'est pas trop ça, donc je vais vous demander d'être indulgent avec moi, bien entendu. Sinon les animations elles sont plutôt pas mal. Vous allez voir, ça ressemble à du PUBG, à du Fortnite, c'est vraiment un peu de tout quoi. C'est clairement, ils se sont pas cachés de dire que clairement ils ont pompé sur tous les Battle Royale pour faire leur Battle Royale. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des véhicules, j'en sais strictement rien. Voilà, dans 6 secondes ça commence. Oui. Je sais pas comment. Camouflage aquatique obtenu. Camouflage aquatique obtenu, d'accord. Voilà, camouflage aquatique, cours de camouflage obtenu. Améliore les effets des objets consommables de soins et de compétences de réanimation des alliés. Ok, cool. Donc gagner la mine, un point ici. Ok, je sais même pas comment on met la carte, j'en ai rien à branler. Je pense pas qu'ils vont mettre avec des tryharders étant donné que je suis level 0, mais j'espère. Ça a l'air de repasser un patin, je sais pas. Voilà, comment on ouvre le parachute? Ah. Est-ce qu'on peut le retirer le parachute? Non, on peut pas. Ok, donc c'est vraiment complet UBG. Une fois que tu as le parachute ouvert, tu peux pas le ranger et partir à la guerre. Non, ça c'est pas possible. Ok, ok. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est positif. On va aller quand même vers des collègues. Les collègues sont partis par là-bas. Non? Par là les poteaux. Okay. Ça n'a pas l'air d'être une super zone en fait, une zone où c'est qu'on va pouvoir craft et trouver des choses. J'ai un gros doute.
je pense pas qu'on puisse prendre des véhicules non plus. Ok, F, on peut faire parachute. Ok, vite. On va vite trouver quelque chose. Ça, je vais crever direct. F, merde, on trompe les touches. Bon, ça, c'est ma vie, ça. Et... je préfère vraiment avoir un... je préfère vraiment avoir une manette dans les mains, je vais pas vous mentir. Hein. Déjà dans l'histoire, je sais pas si c'est un pote ou si le moi ou pas. On va essayer d'aller déléguer les collègues s'ils ont besoin d'aide. Ok, il va niquer sa mère. Ramasse son sac. J'aurais aimé avoir une mitraillette les gars, c'est possible moi. On me laissait tout nu. On va me laisser probablement tout nu. Je crois que je prends plein de sacs, je pense que c'est... Et qui gratte. Parce que là je suis juste au pistolet en fait et c'est pas vraiment plaisant quoi. On va pas se mentir. C'est quoi ça là-bas? Ah ok, c'est le collègue qui a pingé des choses. Ok. Intéressant tout ça, intéressant. Bonus de survie. Ah, fumigène, on apprend. C'est quoi ça? Bon, on ramasse, un casque on ramasse, ça j'ai par balle on ramasse, de l'argent on ramasse. Il y a pas mal de choses ici. Ah ouais. Bon, on a trouvé. Oh yes. Oh putain, on ramasse direct par du lourd. Voilà, recharge. Bonus de survie. Voilà. Bonus de survie. Infiltration subaquatique. Ok, donc là apparemment j'ai des capacités un petit peu à droite à gauche, donc je suppose que plus je vais survivre et plus ça va se débloquer tout seul, je pense, donc ça je peux pas trop vous dire sinon ce serait des bêtises. Si je vous disais ça, je... voilà, c'est ma première game donc c'est pas escaladé lui. Tac, bah, moi je vous suis les gars, parce que ouais, voilà, on va sur le poteau là-bas. Tenter de faire des trucs cool. D'ailleurs de savoir jouer un petit peu lui. Moi, c'est tout à fait l'inverse. S'allonger, je crois que c'est, ouais, c'est ce bouton là pour moi. Ok, que je me rappelle. Il y a course auto aussi. Là. Merde, il m'a vu. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde, bon, t'as pu en passer comme ça. Merde, désolé, c'est le stress. On va me tirer dessus. Vous allez rigoler. Là. Oh, c'est quoi ce truc là? Voilà. Un pack de guerre est arrivé. Ah, j'ai un fusil à pompe, c'est ça? Il a eu. Il a eu le mec. Oh, il est où ce bâtard? Ce bâtard, il est où? Elle fait pas genre que tu vois toi. C'est abusé le mec, il me voyait en fait ce tarba et ouais. Continue à me voir le mec. Mais il continue à me voir le mec, c'est abusé là. Ah ouais, le mec en fait il s'est couché dans les buissons, il a plus bougé quoi. Ah dégoûté, je pense qu'on peut pas revenir. Moi je suis mort. Je pense pas qu'il puisse réagir de toute façon. Je sais pas du tout si c'est possible ou pas. Ah si, ah ouais quand même.
Ok, réanime comme ça. Oh, ça c'est cool par contre ça. Ça prend autant de temps. Compétence ultime obtenue. J'ai une compétence ultime obtenue. Ouais, capte-toi avec la. Mais il faut pas le. J'ai les vies à fond ou pas? Ouais, ça va remonter petit à petit quoi. Ah, je me suis fait démonter comme merde. Ah, en fait, le mec, je voyais pas où c'est qu'il était en fait, c'est enculé là. On va recharger. On va prendre le pompe pour la baraque. Hein. J'ai l'impression qu'il va avoir des petits coquins. Ouais, je pense qu'il a joué FPS. Ah non, c'est pas un pompe, c'est. Ok, ok. Attends pour moi. On va jouer FPS, voir un petit peu ce que ça donne. C'est apparemment un mur de vapeur, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être c'est un mur où c'est que le mec il me voit pas, les gens ils me voient pas à l'extérieur, mais je vois tout le monde à l'intérieur, j'en sais rien, je connais pas spécialement. On sera un peu plus vite tard, je crois qu'on a une caisse là-bas qui est tombée, qui se file pour nous, on va y aller, on va aller faire un petit tour. Croiser personne, je ne servis à rien. Donc on n'est pas du tout dans la zone. On va devoir, on va devoir traverser la mer, ça par contre ça m'enchante pas tellement ça. Absolument pas même. Quoi dans le pack? Oh oui. Okay. Oui. On prend ça. Viseur. Petit viseur x4. Chargeur. Ouais, je vais bien équiper ça. Ouais. Tac, tac, tac. Ok, clic droit, on prend tous les coups. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est niveau 3, il est comment mon gilet pare-balles moi? Ah, il a ça. Merde, ils sont en train de faire la guerre. Non, je veux quitter ça, comment je fais? Merde! Je vais mourir comme ça. Bonus de survie. Comment je fais? Sors de là! Sors de là, bordel! Anti-air obtenu. J'arrive plus à sortir de là? Comment je fais? Non, putain. J'appuie sur F ou c'est que j'ai ouvert ça ou pas? Merde, je suis sixième. C'est bugué. Ah. J'utilisais mon ulti comme un connard. Ok, donc en gros c'est ça, ouais. L'ulti c'est. Désolé les gars, merde, j'ai ouvert la carte en gros par contre. Comment j'enlève la carte en gros? Je me sens pas étoilé ce clavier souris, je suis vraiment isolé. Ça me turlupine un petit peu l'anus. Ah si, il y a les voitures, je vois qu'il y a un véhicule, si si. Abandonné, Bonus de survie. Amélioration silencieux obtenue. J'ai sacrément morflé là.
fait, hein. Je sais pas comment utiliser les soins, je me rappelle plus. Je vais aller. Oh, il y en a un qui a utilisé un truc ici. Ouais, je pense qu'il faut que je sois couvert. Merci Y. Ça c'est pas très cool ça. On va prendre ça. Terrain favori, eau obtenue. Où les collègues. Ah, je vous l'ai dit, hein. Moi, clavier souris, les gars, c'est totalement éclaté. Oh putain, c'est vraiment éclaté là. Bon, vous voyez à peu près le principe du jeu. Le jeu, vraiment, est super intéressant. Il y a des, il y a vraiment des super mecs super bons qui font des super vidéos sur YouTube. Vous tapez le nom du jeu et vous verrez les gameplays des personnes plus compétentes que moi, clavier souris. Mais vraiment, ce jeu, c'est, voilà, il a l'air vraiment pas mal. Là, j'ai vraiment fait de la merde. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été catastrophique. Hein. Je dis jusqu'à la fin, ça a été catastrophique. En tout cas, mes amis, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis ciao. Et n'oubliez pas, c'est vous les meilleurs.